Bonjour, bonsoir les amis, c'est Ramsès et nous sommes à Boule TV. C'est un plaisir pour moi de retrouver nous pour une nouvelle émission. Eh bien, les amis, dans l'émission ci-là, moi viens partager une courte vidéo de Maître André Michel qui lui-même cap expliquer qui problème qui gagne entre lui-même ensemble avec militant politique là qui c'est Arnel Belizer qui dans la prison. Dans un premier temps, il était déclaré que M. André Michel, c'est un avocat qui était sous dossier là. Et puis, dans un deuxième temps, il a dit que il a retiré M. André Michel sous dossier PAL. Donc, je vais vous faire une courte vidéo pour nous capables de garder qui ça M. André Michel, lui-même lui expliquer qui cause ça arrivé là. En nous suivant ensemble. Comment vous sentiez-vous après que militant Arnel Belizer et Kato de conseil de défense? Bon, c'est son très sérieux. Je vais demander à mon avocat Arnel Belizer. Quelle histoire? Je vais demander pour mon avocat. Bon, c'est Arnel Belizer personnellement qui était campé dans le coup d'appel lundi, qui t'a dit, mais qui est avocat, qui est André Michel, mon bon l'autre. Je n'avais pas demandé à être son avocat. Bon, je ne vais pas dire que je souhaite ça, vous comprenez? Mais je ne vais pas demander ça. C'est lui-même qui te fait. Maintenant que je prends une décision, en la vérité, cela ne me dérange pas du tout. C'est son droit le plus entier. Et à partir de cette action, je n'ai rien pour me dire ce dossier, je n'ai rien pour me citer. Non, pour moi, c'est un dossier clos et c'est fermé à double tour. Très bien. Mais maintenant, Arnel est connu comme un militant politique puisque pendant la gestion de Jovenel Moïse, il a toujours dit que c'est un militant politique que Arnel est. Maintenant, ou même ce défenseur militant politique, je dis, si Arnel est athée, c'est qu'en fait, est-ce que vous toujours pensez son militant politique lié? Ou du moins, est-ce que vous pensez toujours monsieur son qui a des âmes dans main? Ou du moins, est-ce que vous pensez c'est parce que vous faites ou épousez même bataille avec Ariel Henry qui c'est un petite légitime ou bien moitié légitime de Jovenel Moïse et que monsieur estimait que Jodia ou n'a quand Jovenel Moïse qui fait monsieur un carton. Je ne veux plus parler de son dossier. Ça ne m'intéresse pas de parler de son dossier, voilà la vérité. Et n'a pour nous parler de accord politique là, mais franchement, ça ne m'intéresse pas de parler de son dossier. Pour moi, c'est un dossier clos et c'est fermé à double tour. Voilà. Et pourquoi? Non, parce que, écoutez, il est un citoyen, il a pris sa décision, il dit qu'il y a mais quatre avocats qui sont avocats, il y a un bon autre avocat qui était dans le conseil là lundi passé, il y a Maître Joseph Manespi qui était là, il y a Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui était là, il y a Maître Arnel Rémy qui était là, il y a moi-même qui était là. Il dit mais qui quatre personnes qui sont avocats, c'est quatre personnes qui sont avocats. On n'a plus à parler de lui. Pour moi, c'est fini, le dossier est clos. Je ne vais pas parler de lui, je ne vais pas parler de tribunal. Non, c'est fini. Est-ce que ça va pas, pas diminuer ou pas retirer et du confiance que c'est un militant politique? Mais jamais. Ça fait partie du combat politique. Ça me dérange pas du tout. D'autant plus que je n'avais jamais demandé à être son avocat pour que ça me fait ça. Quelle affaire? Quel intérêt? Aucun intérêt. Pour moi, c'est clos, c'est fini. Il a ses avocats, il avance avec son dossier. Putain. Fini. C'est fini. Franchement. Et pour militants politiques, reste militant politique, puisque il ne s'agit pas seulement d'Arnel Belizer, il y avait d'autres militants politiques. Je parle avec eux, à la vérité. Et je parle avec eux. Et moi, toujours à discuter avec eux. Je parle tout avec l'autre avocat. Je parle avec l'autre avocat qui était dans le dossier. Comprends? Qui est toujours dans le dossier. Je parle avec eux. Je regarde qui ça m'a fait, tu vois. Et parce que ce sont des amis, surtout militants. Il y a plus de relations à militants ça, qui avec. Arnel. Oui. Il y a de très bonnes relations avec eux. Quand il y a des qui attachent à SDP. Et ça fait pas prendre aucune décision de manière cavalière, tu vois. Mais tout compte fait, et en ce qui concerne M. Belizer, pour moi, c'est dossier fini, tu vois, c'est clos. Je n'aurais plus à intervenir dans son dossier, à parler de lui. J'ai entendu des journalistes qui sont anciens alliés et puis des
militant des droits humains, qui dit que, qu'aujourd'hui, vous êtes le nouveau porte-parole de Ariel Ray. Qui sont Kadim de ça? Ce sont des adversaires. Des adversaires politiques. Depuis quand? La politique est tellement dynamique. Monsieur Gary-Pierre-Paul Charles, Val, la politique est tellement dynamique. Parfois, on fait adversaire. D'un coup de tête, on fait des adversaires. Parce qu'on passe un tel accord politique. Je nous tape gardé, c'est comme ça ça te. Pas oublier, nous sommes Ramsès et nous sommes Naboulet TV. Abonnez-vous à la chaîne pour nous toujours être connectés.